Et bonjour, bonsoir. Bien ou quoi là? Bonsoir les gens, bonsoir. Wesh Boost, ça fait longtemps. C'est faux, c'est absolument faux cette histoire. Ouais, c'est faux. Ouais, c'est du verse déjà. Comment ça va tout le monde? Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. On est bien. Souris Val. Voilà, pour information, je suis avec Val, mon neveu. Si vous suivez ma chaîne, vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo de réaction du concert de Post Malone. Et mon gars. C'est le même gars. Hein. Pour information. J'ai bien changé, hein, mon gars. Oui, Big Alan, Matt X, Stonehail, Octogone 10. Bienvenue. Du coup, c'est un welcome, coup, welcome. Ouais. Ça fait plaisir de vous voir. C'est vrai que je stream beaucoup. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont arrivés, qui me followaient pas encore sur Twitch. Mais je stream de plus en plus sur Twitch. Avec notamment ce monsieur-là, Val. Et oui. J'ai mis le lien encore dans le chat. Je le remets à l'instant. Hop. Mais aussi avec deux autres personnes incroyables. Notamment monsieur Boussadia. Boussadia ! Monsieur. Boussadia ! Voilà, lui-même. Et aussi mon ami Le Gej, qui est actuellement en live d'ailleurs, si vous voulez aussi voir son... Si vous voulez mettre de côté, hein, et regarder du coup son petit live F1. Le monsieur essaie de finir son championnat avant la nouvelle saison. Donc ouais, donc je fais on fait une petite intro, hein, on fait une petite intro avant le début. Bon, j'arrive pas à me placer. T'es tranquille, qu'est-ce que... Mais ouais, j'ai pas plus de place, hein, par contre, de mon côté. attends, regarde, on va faire comme ça. Oh. Voilà, c'est bon, t'es bien là. Là, c'est bien. Oui, ça se mettait dans le mood. Ouais, j'ai vu que tu streamais sur Twitch avec le live de Osway. Ouais, bah voilà, exactement. On a fait un live ensemble avec Osway récemment. Crossway, ouais. Ça se mettait dans le mood avant le. Exactement, on s'est mis dans le mood. Exactement. Littéralement. Bah, tu sais quoi, on va littéralement s'écouter. Alors, c'est dans Paradise. Quoi déjà le son avec. C'est d'aller Love Therapy dans Paradise. Voilà. On va se mettre un peu dans le mood, effectivement. On va attendre un peu que les gens arrivent, parce que j'avais dit 21h30. En avance, hein. Mais oui, je suis parti un petit peu en avance pour que les gens puissent arriver tranquillement. Mais ça, c'est normal. On va juste faire. Tac. Tac. Avec Taïk après. C'est quoi? Ah, c'est le nom de. Waouh, le Prime, il est claqué, hein! Ouais! Sous God MM, merci pour le Prime! Ça fait plaisir! Ça fait plaisir, merci beaucoup! Merci du soutien! Bon maître, tu es avec. Hello! On peut mettre celui avec Taïk? Il y a aussi Magnès qui est là-bas, mais elle se cache, on la monte pas parce que ouais, elle a pas besoin d'être vue par tout le monde sur internet. Moi c'est trop tard. Lui c'est trop tard. Moi c'est trop tard. Lui je l'ai grillé. Le concert en fin d'année, bien sûr, avec justement notre ami Boos. Hein? Non. Bah je crois que je me rappelle plus du tout. Bah c'est pas là qui met un peu avec qui. Laisse-moi te dire. C'est ça? Ouais, laisse-moi te dire. Mais moi j'aime bien. Bah du coup, bah vas-y qu'on a écouté dans le son. Mais j'avoue, ouais. Bah oui, mais j'ai plus. J'ai le mec qui coule, je suis désolé, je suis enrhumé, je crois. Terrible. Ah bah c'est une partie précise, ah bon? Je connais le son. Ah ouais? T'es monté? Ah. Sinon comment ça va vous les amis? Comment allez-vous? Comment ça va dans le chat? Eh 26, je me demandais c'était quoi le nom. Bah maintenant j'ai voilà. Je sais, hein. Mais pas tout le monde va bien.
La playlist du concert, bah oui mec, la playlist du concert, faut absolument que la combler. Hop hop hop. Je vois que ça leurre beaucoup quand même toujours, hein, bien évidemment. Ah t'as caché les... Ouais ouais. Bon allez. Les amis. T'as écouté l'IADI, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Pas forcément fan de tout le projet, mais là j'ai beaucoup aimé la prise de risque. Il y a des trucs vraiment cool. Il y avait des gens pop-up de Hamza aujourd'hui. Il y a un pop-up de Hamza aujourd'hui. Mon gars, je sais pas les mots de la radio. Il y a un pop-up de Hamza aujourd'hui. Non, aujourd'hui il y a un pop-up. Non, si il y avait des vinyles, j'aurais encore plus qu'à son crâne. C'était... Ah, sérieusement ? Mais quoi ? Mais non. Attends, mais... Y a non, un genre, pop-up. On a... Attends, quoi ? Attends, on a raté ça, là. Mais j'ai vu l'info nulle part, moi, du pop-up. Vous l'avez où, l'info ? Il y est demain aussi. Non. Oh le GS. Oh, non arrête, waouh. Son Insta. Ah ouais, vas-y, mais on était pas sur Insta aujourd'hui là. Non, genre. Oh, envoyer l'adresse. Et Boost, il va monter juste pour ça. Il va même pas nous capter. Ouais, ouais. Demain aussi. Vas-y, pourquoi j'ai pas de réseau là? Ah, mais je savais pas. Hein. Ah, ouais, 10h-19h, concernant 18h-19h. En 8ème. Ouais. Ouais, mais je galère pour y aller. Ok, bah c'est bon à savoir. Ouais. C'est en 8ème. C'est chaud là. Oh, attends, mais ça veut dire. Oh, t'imagines, genre. Oh, le vinyle collector, comme moi je l'ai pas vu passer sur le site et là. Ah. C'est pas possible, c'est terrible. Coup dur. Coup dur pour le joueur franco-thaïlandais, comme dirait l'autre. Bon, allez. C'est bon. Trêve de bavardage. On va s'écouter. Bon, c'est pour son merch. Ah, c'est que pour le merch, pur et dur. Non, parce que c'est quand même stylé. Ouais, mais si c'est que le merch, je regarde vite fait les entours. Ouais, mais okay. C'est quand même amusant. Ça se trouve, t'as le time de 30 secondes de lui parler, quoi. Ouais, mais ouais, faut voir après si c'est blindé de monde, je pense que ça va être compliqué. Après, moi j'ai jamais été dans une pop-up store. Tu peux choper le vinyle. Eh hey. Fallait pas dire ça. T'as eu fois par Vince. Ah, oh, Vince, il a. Genre. Mais en story aussi, du coup. Vince, il a balancé ça. Sûrement sur Insta aussi. Ouais, je pense que peut-être en story. Ah ouais, sur Insta, ok. Putain, non, ça veut dire que j'aurais vu. C'est bon, ça va. Non, c'est bon, ça va. Quand même, pour information, le mec aurait préféré délaisser sa famille. Un événement de famille. Non, c'était cool le golf. Pour récupérer un vinyle collector. Terrible. Terrible. D'ailleurs, donc, du coup, les amis. Je t'avais dit pour le vinyle de Damso, là, le collector que j'ai acheté 45 euros. Ouais. Que le dernier disque, il était pas bien fait. Ouais, et ouais. Du coup, il y a des sons en moins. Ouais. C'est trop. Ah ouais. Et vous savez si ça a plus de valeur, du coup, un vinyle qui a mal été pressé ou pas? Parce qu'en vrai de vrai, Valentin, il avait acheté un vinyle de. Calf Infinity en deluxe. Et ouais, à voir si ça a plus de valeur. Donc, du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Eh, hey, mademoiselle là-bas, là. Hamza. On va faire ça. Tac. Je vais garder, du coup, aussi la tracklist à côté sur Genius. Histoire, en fait, de voir un peu. Tac, tac, tac. Ok. Bon, du coup. Tac, tac, tac. Bon, bah, let's go, hein. Donc, on se fait la première écoute de Sincèrement de Hamza, le pod retiré de l'aléatoire sur Spotify. Bien vu. On se fait du coup la première écoute de Sincèrement de Hamza, qui est son troisième album studio. 2 ans après 140 BPM 2.
En vrai, pour l'instant, pour moi, Hamza, il a une des meilleures discographies du rap francophone, de la musique francophone. C'est vraiment un artiste qui a su marquer en fait son genre avec un style très très américain en fait, hein, dans son flow, dans ses phrasés, dans ses expressions. Et un choix de prod incroyable, souvent du second grâce à Monsieur Ponko. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait Hamza. Toi, ton top 3, ton préféré d'Hamza? Bah, Hamza, j'écoute pas assez pour faire un vrai classement parce que c'est pas un artiste. Enfin, c'est un artiste que j'ai découvert récemment, donc du coup, j'ai pas eu le temps de vraiment écouter toute sa discographie. Ouais. Je serais pas donné de classement pour l'instant, mais à voir. Mais en tout cas, je kiffe. Hein. D'accord. Moi, perso, en top 3, je dirais Mucho Love, 1994. Et en vrai de vrai, alors attends, parce que c'est on en a écouté il y a pas longtemps. Non, en vrai, ta santé, oui, mais c'est pas un son à lui. Même s'il plane sur le son, il plane clairement sur le son, c'est pas son son à lui. Parce qu'en vrai de vrai, non, il y a trop de sons que j'ai pas écouté, je sais pas. En fait, c'est chaud. J'ai pas assez écouté pour donner mon avis. Oh, de Marchit, incroyable. Ouais, ça va être dur. Un top 3, c'est trop dur. En vrai, top 3, c'est dur. Designer, c'est incroyable aussi. Juste une minute. C'est trop dur. En vrai, c'est trop dur. J'ai dit faire un top 3, mais c'est impossible de faire un top 3. Bref. Mucho Love, incroyable. Minimum. Hamza, je comprends son comprendre sa hype. Son manque de profondeur me bloque. Minuit 13, incroyable. Ouais. Mais sur H24, le mec a des classiques de ouf. Juste une minute. 6 avec Cypher, incroyable. Ce son, je sais pas si vous avez écouté. 6 avec Cypher. What? Ah non, bah tu sais quoi, on va l'écouter après, pourquoi pas. Si on a un petit moment, on l'écoutera après. Il y a pas beaucoup de... Ouais. Donc revenons du coup au projet. Donc le projet, il y a 17 titres. Eldorado, ça me parle. Il y a 17 titres, ça dure 51 minutes 49. On va écouter le projet en entier. Si on voit que c'est un peu long, genre que c'est vachement répétitif au niveau de la prod ou au niveau du couplet, etc., j'avancerai un petit peu. Je préfère l'annoncer maintenant. Hein, on est en live. Soyons honnêtes. Les gens ont kiffé les sons de off. J'avoue que putain la vache, un million de streams déjà. Mais introduction, c'était le single. Oui, mais l'introduction est sortie avant. C'était le single. Mais ouais, putain la vache, le son Sadio avec Offset, il a déjà un million de streams. C'est un truc de ouf. Donc bref, on y va, les gars. Son numéro 1, introduction. Alors le son, toi tu l'as pas entendu? Moi je l'ai pas écouté, ouais. Moi j'ai entendu quelques extraits. Mais on s'écoute ça. Merde. Si j'avais des ailes, j'irais vivre loin près des nuages. Je suis presque avec du désirage. Le son est bas. Elle veut ci, elle veut ça, elle veut moi, j'ai pas le temps de te demander adieu. Peut-être qu'il t'entendra mieux, en tout cas c'est moi à deux. Combien de fois ils m'ont tourné le dos? Combien de fois rebattis trop tôt? Dites-moi si c'est mieux comme ça. Je reverrai jamais l'homme. J'ai vidé la tête pour adoucir ma peine. C'est le train de vie que j'amène. Pas l'écouter devant la scène. La vie est belle avec des lamoules, hein. En vert ou en violet. C'est pas celle en rose. Je mets, je dis et je rôde. Je ferai l'impossible pour toi, pour moi, je ferai même pas le possible. Je suis noyé dans la codine, je maudis, je cramé. Ouais, ouais, la pute c'est qu'elle mourra jamais. Je roule un montage fouillé. Jamais seul comme ça, je mané. J'ai ramé, sale. Je fais tout ça parce qu'il le fallait. Ça changera jamais. Même si la déçue sera salée, je suis cramé. Ouais, ouais, la pute c'est qu'elle mourra jamais. Je roule un avant de faner. Jamais seul comme ça, je mané. J'ai ramé. Il y a un écho. En fait, c'est parce que. Parce qu'en fait, c'est. Ouais, est-ce que là vous entendez mieux? Attendez, je remets un peu. Est-ce que c'est mieux là ou pas? Merci, Périor. Ok, bon, du coup, ouais. En fait, c'est parce que j'avais laissé la source Spotify direct, mais du coup, on va laisser avec le micro qui prend le son. Ok. Et bah. Sincèrement, du coup, là. Sincèrement. Sans mauvais jeu de mots.
Bonne introduction. Un petit couplet unique, piano, voix. Moi, j'ai kiffé en vrai, ça m'a bien. Ça m'a mis dans le mood. Ça m'a mis dans le mood. Petite intro tranquille. Piano, voix. Ponko à la prod, encore une fois, bien évidemment. Mais je crois que Ponko, il est sur quasiment tout le projet. Petite drum à la fin, bien sympathique. J'aime bien les. Alors, attends, c'est. J'ai fait tout ça parce qu'il le fait jamais. Il y a une ligne de base derrière. Non, franchement, ouais, ça annonce déjà un bon projet déjà. Quand l'introduction elle commence comme ça, bah, ça me plaît beaucoup. Il est surtout sauf Kokoro. Il est surtout sauf Kokoro, ok. Putain la vache. Bah, moi ça me rassure parce que j'aime beaucoup. Beaucoup Ponko. Du coup, son numéro 2, Free YSL. Pour ceux qui ne savent pas, Young Stone Alive. Le label du coup de Young Thug et tous ses slimes. Prochaine chanson masterclass, ah bah rien que ça. On a les paroles en face de nous. C'est pour ça que je préfère prévenir. Mon bébé faut la santé sans finir à la santé. Éviter l'étranger, il pleut des balles dehors, tu pourrais finir trempé. Moi j'ai rien inventé, j'ai compté mes billets, je les ai mis de côté. Au cas où je dois me ranger. Mets des balles dehors, tu pourrais venir tremper. Moi j'ai rien à valider. Tu l'as pas fait du speed, ah quoi, tu fais du speed, ah. Tu l'as pas fait du speed, ah quoi, tu fais du speed, ah. Ok. Tu l'as pas fait du speed, ah. Ça arrive les refrains. Incroyable. Tu l'as pas fait du speed, ah quoi, tu fais du speed, ah. Fiji Island, Jamel, 50 hoes dans le jet. Viens pas squatter, rater. Tu vas prendre deux, trois fessées, ah. Je dépense 200 de plein, puis je les récupère le long. C'est un truc de ouf. Tu pourrais finir trempé. Moi j'ai rien à valider. Tu fais des speed. Non, non, c'est trop, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Mais du coup, là, effectivement, donc là ça marque. Sur Genius, c'est le flow à Young Thug. C'est clairement un flow à Young Thug. Mais là, du coup. Là, il marque du coup sur Genius, en fait, la notation de marque, c'est le refrain de Gunna avec Young Thug. Donc, on va écouter du coup Dollars on My Head. Mais je crois que c'est. Non, pour moi c'est pas ça, pour moi c'est un autre son. Pull up with a stick. Mais c'est, je crois que c'est même pas Young Thug, c'est ça. Je sais pas si c'est lui. Il y a un son de Young Thug où il rappe ça. Non, c'est pull up on a kid. Pull up on a kid. C'est ça en fait, pull up on a. C'est celui-là. Il l'a dit, il m'a dit. Ah ouais? Ok. Bah, tu vois, moi en fait c'est ça la référence que j'avais, tu vois, pull up stick, tu vois. Après effectivement je pense que si c'est ça qui l'a inspiré, c'est clair que... Bah, après c'est sûr que sur tout le flow, son flow c'est clair que c'est ouais. il y a Fat Drake aussi, ouais, bah, après c'est son influence, c'est normal, mais c'est clair qu'effectivement c'est un flow totalement en fait imaginé en fait sur l'idée de Young Thug. En fait c'est clairement du Young Thug dans le flow, quoi. Mais non, c'est incroyable. On va dire on coupe le numéro 2. Même le let's go, c'est Doug Thug. Let's go. Tu m'as dit je t'aimais dans mon dos, mon prénom t'a sali.
faut la santé sans finir à la santé. Éviter l'étranger, il pleut des balles dehors, tu pourrais finir trempé. Moi j'ai rien inventé, j'ai compté mes billets, je les ai mis de côté. Au cas où je dois me ranger, pleut des balles dehors, tu pourrais finir trempé. Moi j'ai rien inventé. En vrai, c'est catchy de ouf. Juste une question avant que je skip le son, enfin du coup je termine le son maintenant là. Est-ce qu'il y a des transitions ? Important à savoir, est-ce qu'il y a des transitions entre chaque son ou il n'y a pas de transition du tout ? Young Tuck sur check aussi. Ouais, j'avoue. Pas de transition, d'accord, ok, ok. Alors franchement, refrain après refrain, absolument, ça c'est, moi c'est absolument craqué. C'est... On va l'avoir en tête facilement, ouais. Facile à retenir. C'est trop, non, c'est trop, non, c'est trop. Non, franchement, le son, celui-là, il est incroyable. Le son numéro 2, incroyable. Par contre, du coup, ça a changé, du coup. Moi, je pouvais directement faire skip à droite sur Genius. Son numéro 3, du coup, ma réalité, on me dit que c'est un banger aussi. Let's go. Pour la my oh my, j'ai pris les night. Waouh waouh waouh. Je viens juste, est-ce que t'as la référence? Attends. Est-ce que t'as la ref? Est-ce que vous avez fait la ref dans le chat? Oui, il y a un mec qui l'a dit. Voilà. C'est boost, mais il y a un mec qui l'a dit, c'est boost. Incroyable, incroyable, incroyable. Le son, c'est I Need a Girl de Puff Daddy. Il est incroyable. Le refrain, je kiffe. Hein. Le refrain, en fait, après, ça, c'est pour moi, c'est un cheat code de reprendre des mélodies des sons de 1000, tu vois. Ouais. Ça. C'est un cheat code, mais c'est bien quand c'est bien fait, ça tue de ouf. Ouais. Et Hamza, il sait très bien faire ça. Hamza, il sait très bien faire. Mais vas-y.
Je le sais, dans la banque, ça fait des gros retraits sans regret. Dans le club, je suis en CDG, en mode PDG, yeah, yeah, en mode BBG. Que de la Cali dans le Django, que ça fait chanter les Cali comme dans Rambo. Buzz down sur le poignet, tu le peux dans la city, tu peux pas nier. Que de la Cali dans le Django, que ça fait chanter les Cali comme dans Rambo. Buzz down sur le poignet, tu le peux dans la city, tu peux pas nier. Suis jusqu'au bout de la nuit, bébé. Charbonne tout l'été. Ta pull up chez Watt sans faire un seul oui, bébé. Ah ah ah. T'as un je le sais, je le vois. Gros nuage de mocha dans la boca. T'as un je le sais, je le vois. Gros nuage de mocha dans la boca. Mon métal me suit jusqu'au bout de la nuit, bébé. Charbonne tout l'été. La voix est bonne, mais surtout ça, ah, je te vois, tu vois. Il est fort. Il est trop fort. Il est trop fort. En fait, sur les mélos, il est trop fort. Il est trop fort. Alors le son, pour moi je pense c'est un son qui va grandir en fait. Pour l'instant, je l'aime bien, mais c'est un fait à moi. Limonip, merci du follow, ça fait plaisir. Attends, pourquoi? Merci Boos. Attends. Attends. merci du follow. Mais là, du coup, en fait, ouais, le son, je l'aime bien. Encore une fois, la façon dont il gère les mélos, ça, c'est quand même incroyable. salut à toi. Mais je pense que le son, en fait, je m'attendais en fait à un break ou alors en fait un changement dans la prod qu'il n'y a pas eu. Et c'est un peu, du coup, moi, ce qui m'a un peu laissé sur ma faim. Mais j'aime toujours le son. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, franchement, c'est un kiff. Et le... nuage de l'amour, ça c'est trop dans mon... Eh, ça c'est sûr, ça va rester dans ma tête pendant des semaines. Ça c'est sûr. Allez, follow ball sur... Ah, oui, d'accord. Le mec fait sa promo dans mon chat, c'est terrible. On passe du coup au son suivant. Hop, only you. Non, ça c'est sûr, je vais l'écouter fort. Oui. Ponko, Hamza et Gancho. Ah ouais, Hamza a un peu de 9-4, mais en... Ok. Battement de cœur s'accélère quand tu descends. Quand on se fait la guerre sans aucune raison. Je passe la noche et à me poser plein de questions sans réponse. Je fonce déjà le démon sans toi, sans rien du tout. Ça me pousse à bout. Ouh, j'aime bien quand il monte comme ça. Ouais, moi aussi. C'est un kiff. Un bouc de bimini dernier. Ça fait très Drake en fait même pas ça en fait, c'est juste même la prod en fait à ce passage là du coup sur le refrain où c'est du coup cette basse un peu moog, c'est un genre de synthé si tu veux, ouais. Qui a une basse typiquement comme ça, ça fait très effectivement très OVO, très Drake, mais ça c'est clair en fait, encore une fois la prod elle est... Merci Momo pour la prod. Pour le follow. Parce que je parlais de la prod. En fait la prod elle est pas hyper complexe, du moins pour l'instant, je sais pas si ça va changer après, mais en fait, moi, ce qui me fascine avec Hamza, c'est quoi? C'est que du coup, ils ont donné cette prod-là à n'importe quel autre artiste, ça aurait sonné absolument pas aussi bien. Parce qu'en fait, même si la prod, elle est pas complexe, la façon dont Hamza, il pose sur le son, sa voix, la façon dont il est mélodieux avec sa voix, ça, en fait, ajoute énormément à la prod. C'est un de ces rares artistes, rappeurs, chanteurs, comme ce que tu veux,
il y en a comme ça en fait où du coup les prods sont pas ouf, ou alors elles sont pas juste dingue de fou, mais la façon dont ils posent dessus, ça améliore un million de fois la prod, quoi. C'est un truc de ouf. La rediffusion, je vais sûrement la poster sur YouTube. Je vais, une fois que le live sera terminé, je téléchargerai le live. Et j'essaierai de le mettre sur YouTube. On verra si sera bloqué ou pas. Ça, je pourrais pas vous le dire. Vas-y, coupe le numéro 2. Ah, vous laissez le numéro 1, ouais, bah ouais. Attends, redis ça. C'est une phrase à boost, ça. Laquelle? J'ai mes raisons, t'as tes raisons. Mais ma maison, c'est ta maison, c'est ta maison. Voilà. Wow. Wow. Non, c'est trop. Ok, le changement à la fin, c'est incroyable. Remets-moi. Incroyable. Ouais, là je vous la réponds à Drake. Le traitement de la voix et tout, c'est incroyable. Mais franchement, c'est fou. C'est fou. On a capé au concert. Ah, j'avoue, ça va être fou. Incroyable. Franchement, le son était bon. Il était incroyable. J'aime très, bien. Très fort. J'aime bien. Pour l'instant, qu'est-ce que t'en penses, toi, Héloïse, pour l'instant des sons? Je sais que t'écoutes pas forcément de Hamza, mais qu'est-ce que t'en penses pour l'instant, toi? Ça va. Les You, j'aime bien. T'aimes bien, New? Et la numéro 2. La 2, c'était Freeway SL, ok. Ok. Vas-y, on passe au son numéro 6, Sadio, featuring Offset, le fameux son. MLS. C'est du Chromars, bitch, c'est pas du Balmain. T'as pas les infos. Elle m'a dit, je suis marié, je suis venu pour faire un selfie. Et à la fin, la info. Hey, rouge, belle, sauce, gars, baby. Elles sont au big points. On bat les couilles que tu m'envoies dans la seule fois. Envoie-moi des bitcoins. Sauce, gars, baby. Elle veut me caracas. Je suis young, mais j'aurais pu finir à Saint-Gilles. Je crois que j'ai la baraque. Hey, hello to my little friend, pick up. Le boy est résilié. Je peux mettre un diamant au doigt d'une tente. Je suis gang affilié. Ramener mon beretta, je marcherai jamais seul, mec. Je fais ça comme ça, Dio. En 10 minutes, j'ai déjà fini la hot-tech. J'ai fumé mon cardio. Demande à rapper, c'est minimum test. Oh non. C'est que la ligue. Les adlibs de Offset derrière. À la cuche, t'as un requin. T'as mis des easy, tu t'es fait pour gagner West. Descends un petit peu. Putain, j'ai trouvé un foyer entre ces grosses fesses. Attendez. Avant le coup de Offset. Là, c'est incroyable. Le flow de fou furieux. Wow. Le flow de psychopathe. On va mettre comme ça. Je sais pas. Ah, je sais pas. Le flow de dingue. Il glisse sur la prod. Encore une fois, la prod, elle est pas super, super complexe. Elle est pas ouf de dingue. Y a pas des éléments de dingue, machin. Mais comment il surfe sur la prod, c'est phénoménal. C'est incroyable. Offset, s'il te plaît, vas-y. Zia, et ça, toi. Mmh.
jet count 100 racks. Ain't selling my soul, ain't none of that. Ricky, you know I'm dripping that. I cannot troll the internet. Ok, donc franchement, Offset, couplet beaucoup trop court. Court. Mais moi je trouve fort quand même. Très très bien. Mais trop court, il s'est fait rincer. Et... rincer, sécher. J'ai pas vu combien de temps il dure. C'est pas comme l'autre la dernière fois là. C'est ouais, c'est parce qu'il y bang. 28 secondes. Un minute suite. Il a trop raison. C'est ça. Il a trop raison. Citizen, c'est grave ça. 24 secondes. Ouais. 24 secondes, le couplet. Ouais, en fait, t'as fait du... En fait, mais ça, c'est terrible, mais en fait, il y a de moins en... Enfin, les rappeurs américains respectent pas les rappeurs français lorsqu'ils viennent sur un son, alors que c'est dommage, parce que un artiste comme Hamza, c'est pas genre un petit artiste, tu vois, machin. C'est quand même un gros artiste francophone qui cartonne de fou, quoi. Donc, c'est dommage pour Offset, qui aurait pu directement toucher un plus gros public, parce que, comme Booba a dit, les quinries, ils lâchent les fonds de tiroir. C'est clairement ça. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, parce que là, en vrai de vrai... Il y a beaucoup de gens qui écoutent du Hamza, je pense. Hein, si on fait un Venn diagramme, c'est le diagramme où t'as genre un cercle, genre fan de Hamza, fan de Hamset, et au milieu du coup t'as ceux qui sont là. Tu vois. Alors en fait, j'en suis sûr que du coup, si tu fais fan de Hamza, gens qui n'écoutent pas de rap américain, tu vois, ou genre qui n'écoutent pas Offset, bah, en fait, je pense que Offset, il aurait tellement à gagner en fait justement de faire un truc quali pour justement viser ce marché-là en fait. Et c'est dommage. C'est dommage parce que là, probablement Hamza, il l'a fumé quoi. Boyfriend, tout cas, le boy est résilié. Je peux mettre un diamant en toi d'une teinte. Je suis gang affilié. Comme j'ai mon beurre et t'as jamais marché, jamais seul, mec. Fais ça comme ça, Dio. En 10 minutes, j'ai déjà fini la hot tech. J'ai fumé mon cardio. Demande à rapper ça, si c'est minimum test. C'est que la ligue, hein. La vie, c'est une erreur, ça. À la cuche, t'as un requin. T'as mis des easy, tu t'es fait pour Kanye West. Descends un petit peu. Putain, j'ai tombé en foyer entre ces grosses fesses. J'ai craché mes petits peu. Il va y avoir des freestyles sur cette prod, sachez-le. Hein. Il va y avoir des freestyles sur cette prod, c'est sûr. Ouais, Luc, merci du follow. Ça fait plaisir. Franchement, bah, le son, il est cool. Mais ouais, au fait, même s'il était bien, il s'est fait éclater. Il s'est fait éclater. Ouais. Ok. Bien à ta santé. Bien, je m'en souviens. Allez, vas-y, boost. Et commence à écrire maintenant, là. Sors, pose la NSI et écris-moi un couplet. Vas-y, son numéro 7, Tsunami. Oh. Mmh. Ok. Il commence toujours par le refrain. T'as ouais. Pas couplé direct. Je passe ma vie dans le rush. Je dors plus la nuit. Une fois en mille pour que je change d'humeur. Comme Tsunami. Je vois que t'es facté. Je donne G-A-L-O-U-S-I-E. Je suis vers la place du cœur. Je passe de 0 à 10 la semaine, vite la bouteille, je renais, c'est ma vie, ma que tu connais. J'ai de la purple ligne, purple chop, purple money. J'arrive en heavy clean, Prada clean, fashion me. J'ai de la Hennessy, guise de soin de ma maladie. J'l'ai calaché toute la nuit, la petite a perdu ses repères. J'ai baigné avec les requins, avec une paire de requins. Les temps ont changé, frangin, t'es mon nouvel engin. J'n'ai pas de patience pour mes lovins, mais quand j'utilise ma potion. Mais les sions, les raccords. En vrai, Damso, il irait trop bien là-dessus. En vrai, en fait, je pense à un truc, mais Damso, il irait trop bien sur ce genre de son-là. C'est un truc de fou. De ouf. Violet, je t'avais dit que je faisais.
ce qui est un non. Je passe ma vie dans le rush. Je dors plus la nuit. Une famille pour que change d'humeur. Comme tsunami. J-A-L-O-U-S-I-E. Tu feras la place du cœur. Je dors plus la nuit. Je passe ma vie dans le rush. Je dors plus la nuit. Une famille pour que change d'humeur. Comme tsunami. Je vois que des vagues de putain. J-A-L-O-U-S-I-E. Tu feras la place du cœur. Je dors plus la nuit. Très très fort. En fait, c'est différent des autres sons et du coup, je kiffe de fou. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas la même vibe. Non, ouais. Bah, en fait, mais là, en fait, moi, en fait, de ce que je remarque, moi, vous dans le chat, dites-moi si vous ressentez la même chose. C'est qu'en fait, pour l'instant, par rapport aux prods, du moins, et c'est des prods vachement minimalistes par rapport à ce que Ponko a pu faire par le passé. Parce que Ponko, il a fait des prods de psychopathe quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Ponko, il a quand même fait un truc qui s'appelle Tueur. Si. Et je crois que c'est aussi lui qui est derrière. Mais non. Si, il me semble que c'est lui. Attends, je vais me tromper, attends, je vais quand même vérifier. Hein. Ponko. Donc Ponko, c'est un monstre, si vous voyez quand même, niveau mélo, c'est un monstre. Mais, ouais, ah mais oui, mais là je sais pas, mais c'est grave efficace. Oui, c'est grave efficace, donc en fait ça, encore une fois, qui montre le talent de Hamza et de Ponko quand ils s'unissent, c'est que même si, encore une fois, je me répète, même si les prods ne sont pas totalement chiédés niveau des nappes, des synthés, des effets, des arpèges, machin truc, ça reste simple dans la construction et ça reste efficace. Donc quand même, c'est pas mal. On passe au son numéro 8, le fameux À ta santé partie 2. J'ai hâte, hein, franchement, j'ai trop de. Là, ouais, moi en fait, moi je m'attends pas à un truc de fou. Ah ouais? Ah ouais. Parce qu'en fait, ça sort, merci pour le follow. Parce qu'en fait, je me dis que À ta santé partie 1, c'était trop mon son de l'année limite. Ok, ouais. Et tu peux pas faire mieux que ça. Ici, ils font mieux que ça. C'est ouais, ça. Et quand on booste, plus on s'attend, plus on est déçu. Je m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu, comme dirait Doui. Ponko et Hamza sont en dissuasion. Exactement, Ponko et Hamza, c'est comme Justin Timberlake et Timbaland. Il faut forcément les mettre ensemble. Donc son numéro 8, À ta santé, partie 2. Juste à... Louise, t'as entendu ce morceau-là ou pas? Je suis pas conscient de conditions, pas de confusion. À cause de toutes ces confessions, j'ai perdu le sommeil. Je te veux dans toutes les positions, change de position, toutes les positions. Et t'en place avec un petit gars, baby. Ah, pirate, mais comme les kilos sur le cargo. J'ai beau faire belle année, pour toi, je suis cargo. Wesh, pillé! Non? Depuis quand tu es parti, tu fais que sortir tous les week-ends. Même si entre toi et moi, baby, y'a rien d'officiel. Des millions de dollars, baby, rien que j'en veux des dizaines. Je veux voir le bout du tunnel quand j'ai fait ficelle. Dans le haut du cou, fume la dope. Bah, arrête-moi de ouf. Confiance comme mon métal tout en chrome. À la fin de la mission, je reviens, bébé, promis. Là, je ne vois que mon putain de reflet dans la cour. Attendez, allez. Boost nous dit Seek and Destroy. De SZA. On va écouter Seek and Destroy de SZA. De toute façon, je suis pas déçu. Pas déçu. Eh, Boost, il cheat. Boost, il cheat. Il a fait comme ça. Je peux même pas mettre play. Ah! Oui, c'est le même sample, hein. Peut-être un reverse, non? Est-ce que je peux même trouver c'est quoi le sample? Attendez. Seek and Destroy, SZA. Je vais jamais le trouver le truc. Non, je trouve pas le sample. Ouais, mais c'est sûr, ouais, exactement, mec. You push me past my own capacity.
Ouais, c'est vrai que c'est le même sample, hein, je pense. Hein. C'est le même pack de sample, en tout cas. Ah ouais, oh oui, pour l'instant, attention par partie 1, ils explosent son là. Il explose, mais je suis pas déçu. Wesh, ok. S'il y a bien un artiste qui peut tenir tête à Hamza en ce qui concerne un mélo, c'est Tiakola. C'est Tia Cola, c'est terrible. Rasko aussi. Ouais, ouais. C'est vraiment ça marche. De ouf. Son, il fait la même. Allô. Je pense qu'il y a un des mots qui revient beaucoup dans l'album, c'est doit être métal. Sur tous les sons, je l'ai vu au moins une fois métal. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais. Metal tout en chrome. Ah ouais. Je me suis vraiment pas rendu compte. Ok. Metal, ok. Bah franchement, le son il est bien, effectivement. C'est clair qu'il pouvait pas arriver à la hauteur, à la cheville du Attention des parties 1. Mais le son reste bien. C'est comme ouais, il y a... J'aime beaucoup, encore une fois, l'association des deux. Ouais, je kiffe le refrain. Mais je pense que ça aurait été encore mieux d'avoir plus de. Dans l'attention des parties 1, en fait, il y avait beaucoup de questions-réponses en fait, où vraiment en fait, c'est changé du coup les lignes qui étaient plutôt cool et qu'on n'a pas vraiment assez ici, je trouve. Numéro 9, Codeine 19. Il bug ou quoi Spotify? Il fait quoi là? Je relance ton Spotify. Bien. Oh!
Il m'a répondu. Il m'a répondu, il m'a dit yo bro, c'est un sample. Incroyable. Attends, mais le son au-dessus des violons, là, il y a un autre. Quand ça commence, ça me fait penser à un autre son. Putain, mais j'ai pas le nom dans le tête. Si, c'est un rythme que j'ai. Mais même ça, c'est la prod, on dirait une prod de d'un autre truc. Oui, on dirait un truc de K2A RISM. Mais vraiment, vraiment, attends, moi c'est. Là, on part sur une aparté de fou furieux, mais attends. À plein. T'as vraiment. J'ai kidnappé mon ex. Ça, c'est même prod. Non, mais c'est quoi, c'était quel son de lui là qui. J'ai dit pute. Dans le bâtiment. Ah, je sais plus c'est quel son. Mais ouais, c'est le même son mais, du coup. Non, les. Putain, mais le rythme il fait trop penser à un truc. Putain, j'ai un Larsen dégueulasse. Hein. On va baisser le gain. Je pense que ça suffire. Est-ce que je peux trouver l'origine du sample en fait ? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que putain, c'est abusé. Mais. Boost un peu. Je cherche là, ok. Merci, merci Boost. C'est sur le coup. En tout cas, le son est très très bien. J'aime beaucoup, la vibe elle est vraiment ouf. Attends. Ouais, tu sais que j'ai vu flou. Hein. Ah j'ai vu flou, j'ai vu un feed. Là, j'ai à la place de. En gros, j'ai vu Booba. J'ai vu très fou. Ouais, t'as vu fou, effectivement. Ok, mais on passe au son numéro 10, NASA. Suspect, ok. C'est Ghost Plains, un peu, non ? Non, c'est pas Ghost Plains, c'est putain, Drake. Non, c'est non, c'est putain, comment il s'appelle ? There for me, there for me. Oh my god, there for me, there for me. Let me my got your roll down. Comment il s'appelle ce son là, putain ? Merde, comment il s'appelle le son ? Putain, mais comment il s'appelle ce son ? Le son, il m'a fait pas ma feelings. Putain, mais comment il s'appelle ce son ? Ça me rend ouf. Attends. Drake, Lauryn Hill, sample. Nice for what ? Ok. T'as mis vraiment ça. C'est ça le flou. Let's go la ref. C'est sur son, il regarde Chris Brown en face, Sonza.
Oui. Un peu énervé, qui casse un peu le mythe de l'album. Ouais. Ça m'a pensé un peu à Makala. Un peu ? Ouais. Parce qu'en gros, Makala, je me rappelle quand j'ai un pote à moi, il m'avait fait écouter Radio Suicide, je crois. Ouais. Et en gros, il y avait des sons posés, tranquilles, et des sons où c'était, ça partait partout, un peu n'importe comment. Mais c'était incroyable. Ah ouais ? Ouais. Je coupe pas ce Makala, moi. Pour... Quand c'est fucked up, je leur donne l'heure. On voit la yayo, money going up. Je vois chargeur, on a pas un quart d'heure. J'en fais des fantômes, pour le grand honneur.
dans son registre un peu plus grave. Il le fait du coup dans son live. Il... Tu vois là il descend. Et là. Ouais, tu vois. Mais après, moi j'aime bien. Mais encore une fois, je trouve que le son, il est bien. Le refrain, il est stylé. Mais peut-être qu'avec le temps, ça va me plaire. Mais pour l'instant, je suis pas super accroché. Tu vois. Moi j'avoue, le son, il est cool. Hein. Il est trop fort, Hamza. Mais c'est pas le type de son que j'écoute. Ouais. Kokoro. Dans 9 mois, c'est ciao. Pour le concert ou quoi? Featuring CK, du coup, produced by Hurricane, Guapo du Soleil et Ponko, j'imagine, tout mort. Non, même pas. Ah non, c'est son, il n'y est pas. Kosei, Milo Cyberman. Nope, un enfant, tu fais des bails Bresson. Ah ouais, carrément. Ah oh putain. Vas-y, c'est parti numéro 12, Kokoro. Featuring CK. Ça me fait ça. Ça sur TikTok ça va exploser. Ça sur TikTok ça va exploser. Oui, ça fait un peu la incroyable. Pour l'instant c'est son préféré. Faut le savoir. C'est son que je vais écouter tout le temps celui-là. Et ouais, c'est CK, c'est Emiliana et. Oui. Des petits vues, ah ouais, les petits culs, il est con. Oh là là, oh là là, très très fort, le son très très fort. En plus, il y a couple 3, magnifique. Je pensais que ça allait s'arrêter là. Des enfants dessus, mais calme-toi, il y a des enfants ici dans la pièce là. P2. Félicitations mec, félicitations. GG man. Incroyable. Eh hey, GG le GG. GG. Allez, follow vite fait mon pote GG là. J'ai mis le lien dans le chat Twitch là. Allez, follow Val qui est ici présent. Voilà, moi-même. Allez, follow aussi mon gars sûr Mousse. Allez, les follow s'il vous plaît. On stream souvent ensemble. Donc allez, les follow pour les soutenir s'il vous plaît. Ok, ça, je vais vous dire tout de suite. Franchement, c'est un fan. J'ai mis le Kokoro là. J'ai coché le Kokoro ici là.
Incroyable, franchement. Très très chaud. Franchement, c'est... Ah, ça, sur de l'afro, c'est du cheat. C'est le fameux... Oui, c'est lui, le fameux Val National, le fameux Val dont je t'ai parlé hier. Hey, là. Hey, hey. C'est le... Qu'est-ce que tu fais, toi? Le mec, il fait des signes de gang et tout. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Tu te prends pour qui? Sike, en fait, Sike, je m'attendais plus à un truc plus chanté que ce qu'il a fait là. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié et franchement, le son, il est incroyable. J'aime beaucoup. Non, c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Moi, je kiffe de fou. Héloïse? Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé du son? Celui-là? Ouais. Kokoro. Pour l'instant, c'est le son que je pense que tu devrais plus écouter du projet. Bah, franchement, oui. Ouais. Bah, c'est vraiment. Ouais. Non, c'est un kiff. Hein. Alors, vas-y. C'est vraiment dit, voilà. Là, je pense qu'on va se passer sur un autre délire. Faudrait refaire du Overwatch, même si mon niveau est abyssal. Mec! Bouge ah, pas! Gars. Moi, j'ai envie de te dire. Attends! Mais. Attends! On va se faire ça, t'inquiète pas. Numéro 13, Murder. Ok. Oh. Il commence pas avec le refrain. Elle me sollicite, sollicite. Petit à petit, elle m'excite. Elle fait tomber son fond, j'en profite. Mon bébé, j'ai déjà paré pour la suite. La fumée se dissipe. Me rapproche de son corps, j'anticipe. Elle m'emmène dans la chambre. Il va être con le son avec Damso après. Et c'est moi qui toxique et toxique. C'est pour moi, ne t'inquiète pas. Métal, encore une fois. Oui, Murder She Wrote, oui. Titre like it direct. Je veux aller, aussi, il faut penser au feat avec Aya. Effectivement. Aya, ça aurait été incroyable sur son là. Elle m'a dit que mon sexe est thérapique. Elle se déshabille pasito, pasito, pasito. Je me roule un poquito, poquito. Pronostic, soyez prêts. Bonjour, bonjour ton pull, bonjour ton pull. Eh, vous avez vu, vous avez vu. Eh, vous savez combien j'ai raqué pour ça là. Attendez. Non, 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 c'est trop une dinguerie. Faut, vas-y, explique-leur le pull. En gros, on a eu le concert de Damso à Marseille. Et juste après le concert, je vois, il y a du merch. Déjà, je m'y attendais pas. J'arrive, je vois. Et j'ai pas calculé. J'ai sorti la thune comme ça, c'est parti. Hop, j'ai acheté le pull, je suis parti. Problème, c'est que j'arrive dans le métro et je me rends compte de combien j'ai dépensé pour un pull. 65€ pour un pull. Bon, ça, heureusement, j'aime bien l'artiste, hein. Et. Oh. J'espère que vous avez bien vu. Il y a même le. Attends, mais je suis. Non, c'est bon là. Oui, c'est bon, c'est bon. Il y a même la tournée là. Il y a. La. Ben, faut renta, oui. Faut renta. Attends, je suis plus dans le cadre. C'est où si, c'est là. À ta gauche. Là. Non, viens là, viens là. Là. Ici. Voilà, c'est bon. Tourne-toi. Non, mais tourne-toi. Ouais, c'est bon. C'est bon là. Ouais. Il faut bien renta. Vous voyez, là, il y a tous les. Comment ça s'appelle? Toutes les dates? Ouais, toutes les dates. Et voilà. Faut bien renta. Attends, je vais juste mettre ça de côté. Hop. Ah merde, ça a pas fait le clip entièrement. Bon, c'est pas grave, tant pis. Tant pis. Bon. Comment je vais attirer? Sandal magicien. Oui. Bienvenue à toi, Sandal magicien. Vas-y, bah écoute, on continue, hein, Murder. Oh. Si tu veux du sol, j'aime bien quand tu danses et que tu frottes mon métal. J'aime bien quand tu danses et que tu frottes mon métal. J'aime bien quand tu danses et que tu frottes mon métal. En vrai, tu sais. Tu sais qu'il y a un peu de ouf ce son-là? Attends. Qu'est-ce qu'il y a plus de ouf? Et je vais récupérer à boire, on va boire. Buvons. Qu'est-ce qu'il faut ?
qui est-ce qui pourrait être où sur ce son-là? Moi, j'ai une idée. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Je te dis moi ce que je pense qu'il y aurait bien sur ce son-là. Jul. Ah ouais? Qui? Jul sur ce son-là, je pense qu'il pourrait être incroyable. Pourquoi? La façon, en fait, dont la prod, elle est, la façon dont Hamza, il pose, et je pense que Jul, il pourrait être incroyable sur ce genre de son-là. Oui, mon gars, combien d'envie d'acheter une dica de points? Enfin, enfoiré. Vas-y, 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 lance une dica. Il a vraiment fait cet enfoiré. Il a vraiment fait cet enfoiré. Il a lâché les dica. Il est un malade. Du coup, tu fais ça, normalement. Ah, le sample, ouais, le sample, il est clairement là. Je suis persuadé que... Je suis persuadé que Jul, là-dessus, il pourrait être incroyablement fort. Je sais pas. Je n'écoute pas assez. Murder, je suis votre fort. On passe au son numéro 14. Nocif, featuring... Dumps. Attends. Pourquoi? Attends. La pub, elle est encore en cours, là? Il y a encore une pub en cours? Attends, quand il envoie... Ça envoie une pub. Oui, ça envoie une pub, ça, le truc. Le truc de bâtard, là. Il casse trop la tête. Note que la ref est incroyable. La ref est incroyable. Mais est-ce que je peux me lancer, du coup, le son maintenant ou pas? Tu parles de la ref de mon pull ou quoi? Non, plus jamais. Non. Étirement. On va passer autre ce qu'il a dit. Grim. Encore un étirement, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Quel con tu veux te dire? Moi, je suis coincé. Ah putain. Mais, vas-y, Jérôme. Jérôme, allez vous faire enfoiré. Faire foutre. Allez, toi aussi, attire-toi là. Toi aussi, attire-toi là, c'est bon. Attends, vas-y, hop. T'entends ou pas? Il y a tout qui craque. Non. Moi, j'ai mes épaules qui craquent. Voilà. Je fais un peu craquer tout, mais. C'est les golfs là. L'articulation. Voilà. Personne de golf. Voilà, c'est parti. Numéro 14, Nocif featuring Dumps. Dumps. Je connais mon amour, je veux rien savoir. Ok. Ah oui, c'est Lady. C'est Lady, c'est vrai, c'est le sample de Lady. Yami Tonight. Ah mais ça, si j'ai entendu ça sur TikTok, je me suis juste fait spoil ça. Et je m'en fous demain. Attends. Ok. Oh là là, il prend le moral là. Sans intérêt, non pas pourquoi. Sans une offre, tu m'as zaza. Je vais les ouvrir tous ces mousses encore. J'avoue. Oh là là, je n'ai plus vraiment le moral. Yeah.
Oh, c'est trop. C'est incroyable. Mais c'est normal que tu likes, Boost, c'est ton couplet, ça. C'est toi, ça. Tu m'as atteint. Mais après, franchement, Damso, sur des sons rapides comme ça, là, il est incroyable. Moi, je l'aime trop. C'était quoi le son dans son... Ah, attends, c'est quel son? C'était quoi son son, là, où il posait sur une prod un peu garage comme ça, là? C'était sur Ipséité ou sur l'Utopédion? C'était... Putain... Lové? Non. Ah, ah oui, c'est Lové, c'est Lové. Mais sur Ipséité, alors, Lové. Non, Lové, c'est... Si, si. Ah ouais? Ouais. Si, en plus, j'ai... Tu vois? Et vraiment, c'est Lové. Si, en plus, j'ai dans la télé. Ouais, Abzel est quand même au-dessus sur le son, c'est sûr. Mais moi, j'aime trop quand Damso pose sur les sons comme ça, en fait, sur les prods comme ça, j'aime trop. Il aurait fait... Ce son, il est incroyable. Oh. Mais du coup, c'est la même... Mais moi, ouh! J'ai bien suivi le concert avec, je casse mon crâne. Ouais, tu me prends la place, hein. Un peu moins kimchi et kimchi vont pour le reste de ma life. Non, je kiffe trop ce son. Non, c'est bon, mon top 3, il y a ça déjà. Top 3 de Hamza. Alors, le seul truc que je regrette par rapport à la prod... Le seul truc que je regrette, c'est quoi? C'est la prod. En fait, je regrette que l'utilisation du sample de Lady, en fait, qui est un sample de... J'ai envie de dire Chic. Mais je vais dire de bêtises. Je crois que c'est Chic. Lady, hear me tonight. Chic, je crois que c'est Chic. Soup for One. Soup, regarde, Chic, Soup for One. Oui, Mojo, c'est le ce qu'on s'en plaît. Ça, c'est le son original, c'est Chic. Donc, Niles Roger, encore une fois, Niles Roger, le big boss. Je crois qu'il n'est pas assez bien utilisé, pas assez exploité. Enfin, pas bien utilisé, il est bien utilisé, mais il n'est pas assez exploité. Le sample, il est vraiment incroyable, et je trouve qu'il n'est pas assez exploité, en fait, sur la prod, c'est dommage. Son numéro 15, plus jamais la même. Oh. Genre d'ambiance. Attends, il reste combien de sons là? Deux? Ouais. Sans doute qu'il finit sur une. Tu sais, il. Devant la POPO, j'ai le visage à terre et j'ai pas de grave. Ma fake vidéo, j'en ai grave le sein. C'est BOBO X Forever. Putain d'amour chaotique Forever. J'ai la baraka, mais je ne suis pas d'humeur. Mais Maracas fout plus le même bruit. Un monde qui meurt égale une mère qui pleure. Et ces gens-là n'auront plus la même vie. De quoi finir killer comme Bundy. Même allège comme Killian, faut que je bondis. J'ai la boule au ventre quand je vois ce monde. En fin de compte, je préfère être un zombie. Je ramasse la place sur un banc d'accusé, d'intrusé. Dis-le moi, j'ai trouvé la paix dans le fond de cette tease. Mec, je vais niquer, évidemment. Cocaïne à même piste et garde devant le girl qui aurait piqué. Je sens des bagues et je ne peux pas expliquer. Ne l'enlève jamais la porte ouverte, ils vont te niquer. Tu vas gravir des formats pour montrer combien tu m'aimes. Ce ne sera jamais plus jamais la même. Nanana. Bébé, la moula, 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 c'est tout ce qui t'aime. Tu n'as pas changé, c'est toujours la même. Ouais. Et vas-y, crédit pour être tes putains de fils de pute. C'est pour ça que je vous fais le concert, j'avoue. Ouais.
Et le, non, finir avec le piano, plutôt le piano, pour clôturer. Ça me donne envie de cut avec un graphique, quoi. Hein? C'est un peu qu'on écoute un pas les lourds. Doucement, doucement, comment ça mon ref? Comment ça mon ref? En fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus calme que les sons précédents déjà. Bah ouais. Je sais pas justement si les trois dernières sons en fait, pour adoucir la. Je sais pas, la... ouais, en fait, on reste dans un thème quand même vachement violent. Vachement. Et, violent, il y a aussi à la fois pas lugubre, mais plutôt sentimental, un peu dark. Moi perso, j'aime bien, mais je suis pas super super fan. C'est pas en fait mes sons préférés d'Amazon, en fait, ce genre de son là. Ouais, sans, bien mais sans plus. Encore une fois, est-ce que ça va... Au fil des écoutes, ça me plaira plus, sûrement. Moi, après, tout ça, une première écoute, mais donc on verra bien. Moi, je pense. Toi, tu penses quoi? Parce que, en fait, j'aime bien le son, mais je pense que plus je l'écouterai, plus je kifferai le son. Ok. Ok, ok. Vas-y, hein. Son numéro 16, I Love You. Oh, bah oui, je mets... Vas-y, laisse la tête, fais des théories, ça marche jamais. Falling Back de Drake, ouais. De Loïc Alancène, je suis tombé sur tes vidéos et j'avais découvert pour la première fois que Amza et sa galetterie, donc merci, merci. Incroyable, merci d'être là. Du coup, c'est du full Drake, ça. Bah oui, c'est full Drake, ça. Full Drake, là. C'est Comment il s'appelle le son déjà? Falling Back. Ah, c'est Falling Back. Bah oui, j'écoute tout l'été. Donc ouais, en fait, on sait que du coup, en gros, on sait que... Ah, je garde par conclusion pour la fin de l'écoute. Oh, les petits mouvements de voix derrière, un peu la guillotine sur les... Tu vois ou pas? Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, c'est vraiment ça, l'été dernier. Honestly, Nevermind, selon l'album électro. Il est court, le son? Vous savez ça encore? Non, non, c'est juste que c'est un son de type électro, ouais. Et donc forcément, il laisse la prod tourner. Ouais, j'avoue. Voilà. Je vais avancer un petit peu parce que du coup sur le pari il y a marqué pont instrumental. Toujours bon côté là sur la prod du coup. Tu reviens en fond un peu comme Damon là. Ouais. C'est vrai, c'est le sidechain est important. Ouais, franchement, c'est très très répétitif. C'est pas là où il excelle le plus. Drake, j'allais dire, tu vois, trop terrible. Hamza, en fait, parce que c'est vraiment un genre dont il s'inspire, mais qu'il a pas forcément une maîtrise.
J'aime bien, mais c'est, encore une fois, c'est pas un son que je me verrais écouter. Je pense, comme tu dis, c'est un son que je me verrais écouter en fond, tu vois, en faisant quelque chose d'autre. Et c'est pas un son que je vais, moi, en fait, vouloir intentionnellement écouter, tu vois. Je pense ça le truc. Non, moi, je pense que c'est un son que je mettrais en gros Farming Minecraft, là. Ah ouais, j'avoue aussi. Course à la netherite. Son numéro 17, d'aller sur du projet, sincèrement. La théorie, elle sert à rien. Oh, c'est... Mobs got the sauce. Merci pour le follow. Nico, merci du follow. Excusez-moi, je pensais à un truc. Mais moi, c'est Billy, le super héros. Mais j'ose pas mettre ma sauvegarde à mettre. Attendez, juste faut que Billy, Billy, vie d'avant. Excusez-moi, je vais juste récupérer ce son. Je vais récupérer la cappella. Et je vais essayer de le mettre par-dessus pour qu'on puisse à peu près imaginer ce que ça pourrait donner si on avait du coup vie d'avant, enfin Billy et Amine sur un son de Hamza. Attendez, téléchargement, tac, 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 mon truc il est ouf pour les retirer, il est là. Je repense à ma vie d'avant. Putain oui. Amine est en pyjama. Je repense à ma vie d'avant. C'est vraiment ça en fait. C'est terrible. Vocals only, start processing. C'est terrible. Ok, là, en train de convertir. Alors, du coup, là, en fait, j'ai juste une intelligence artificielle pour directement extraire la cappella du son. Tac, c'est quel instrument posé mon 16. Je sais plus c'est quel instrument qu'on revoit. Mais attends. C'est dans les premières instruments. Bon. Après c'est le manque d'argent. Amine est en pyjama. J'ai besoin. Je voulais juste plaire comme les autres. Ouais, mais attendez, attendez, regardez, on va la mettre sur mon téléphone. Parce que ça marche pas sur le desktop. Pas sur... Ouais. Attendez, je suis désolé, hein, on part sur une tangente qui a rien à voir. En fait, il y a un son du coup dans l'album de Hamza, en fait, on dirait un son que... Enfin, la façon dont il rappe, ça me rappelle un son de Amine et Billy qu'ils ont fait pour un défi de Michou et Inox, je crois. Ouais. Ouais, c'était une vidéo qu'ils avaient fait avec Michou et Inox. Il y a pas les paroles. Oh non, il y a pas les paroles. Il y a pas les paroles, je peux pas mettre le mode Ah non, c'est terrible. Oh non, je suis dégoûté, il y a pas les paroles. Bon, tant pis. Parce que sinon c'est j'ai besoin d'en parler. Je veux mon micro, 109 mili, que de ralis. Là. Je veux mon mili, pas de gueudreau, 109 mili. Parano comme Tony, je me soulage en mille. Salut, c'est Billy, c'est moi le héros, le super héros. Mais je laisse pas ma place aux vieilles dames dans le métro. Moi si t'es ami, bébé, dis-moi si t'es ami. Je dors avec les amis, je fais pas les choses à demi. Salut, moi c'est Billy. C'est d'ailleurs. Comme si c'était prédit, bébé, souvent je me sens maudit. Bonne soirée, mon gars. Bonne soirée, Matt. Ouh. Merci d'être venu, t'arrêtes d'agir comme si t'étais des nôtres. Je tourne en rond, je fume en top.
par le moins sincèrement. Vous savez votre souffrance. Je voulais juste plaire comme les autres. Tiens, quand même. Je suis pas comme les autres. Oh. GG, si tu m'entends, vas-y, joue à Outlast, frérot. Joue à Outlast. Je sais pas si tu m'entends. Il m'attend. Arrivez. Moi j'aime bien. Je trouve que ça fait une bonne note de fin quand même. Ouais. C'est une bonne note de fin. La mélo me fait penser beaucoup du PNL. Oui, oui. La mélo pour moi c'est grave du PNL. Le son est cool, mais en fait c'est l'autre son. Je pensais plus jamais la même. Moi je pense j'aurais mis plus jamais la même en son de fin. Comme il avait dit Boost. Sadio, c'est vrai, c'était Sadio l'instru. Mais ouais, le son était cool, j'ai beaucoup aimé. Mais encore une fois, je pense que c'est pas logique en fait comme son de fin en fait du projet. Mais ça reste intéressant. Ouais. Tout d'accord. Ok. Non, non, en fait, ouais. Je kiffe, ça fait vraiment un son. Je sais pas comment expliquer. C'est un son qui descend petit à petit, je dirais, dans le rythme. Ouais, ouais. Et en fait, je trouve que ça fait une bonne fin un peu en fondu. Ok, effectivement, ouais. Bon, en fait, là, du coup, pour dire un peu sur le projet, sincèrement, de Hamza, qui est un bon projet. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le projet. Mais en fait, ça... Avant, dans les projets d'Hamza, en fait, on pouvait voir ses inspirations sans que ce soit trop évident. Ouais, c'est trop obvious, en fait. Là, ça se voit, en fait, que du coup, sur les deux dernières années, en fait, il a écouté du Yeet, il a écouté beaucoup de Drake, il a écouté du Gunna et du Young Thug, et en fait ça se sent du coup dans ses paroles, ses choix des textes, la façon comment il écrit, ses flows, ses inspirations, des prods et tout machin machin. Donc c'est un peu trop obvious sur certains passages pour moi. Cela dit, il reste quand même super efficace. Moi, j'aime bien parce qu'il le fait bien en fait. Oui voilà. Ce serait juste des reprises pures et dures, ce serait absolument claqué. Mais Hamza en fait il a un twist en fait du coup dans comment il le fait qui fait que du coup ça rend bien. Franchement, effectivement, c'est plutôt pas mal dans ce sens-là. Il y a des sons. Alors, je vais me réécouter le projet, je pense, de mon côté, pour après vraiment mettre mes propres likes et tout machin sur ce que j'aime vraiment. Après une première écoute, c'est vrai que du coup, Kokoro et du coup, le son avec Damso Nocif, j'ai beaucoup aimé. Ça a toujours été dans son ADN, c'est clair que ça a toujours été dans son ADN, mais comme l'a dit Valentin, il l'a toujours fait. Mais là, en fait, effectivement, c'est vraiment, vraiment évident. En fait, là, vraiment, on n'a pas besoin de chercher trop loin pour en fait avoir les rêves directement, quoi. On n'a pas besoin d'attendre qu'il fasse une interview pour qu'il en parle. Pour qu'on puisse savoir. Moi, personnellement, j'ai pas regardé l'interview, le code avec Mehdi Maizi. Donc, il y a des choses, en fait. Donc, il a sûrement parlé de son projet. Moi, j'ai pas écouté, donc j'ai pas vu, donc je sais pas encore. Mais Boost, même toi, t'as les refs. Arrête de faire genre. Non, arrête de faire genre. Arrête... mec, tu connais pas. Là, j'avoue, tu fais le mec qui a aucune culture de musicale, alors que t'es un mec qui est quand même bien taqué. Oula. Ah, bah, le stream en ligne. Terrible. Donc, ouais. Pas sur les caries, c'est vrai. Mais quand même, t'as quand même une bonne culture musicale. Franchement, sincèrement, moi j'ai aimé le projet, mais je trouve en fait qu'il y a des choses que... C'est clair, encore une fois, comme Drake, il y a des choses qui vont sûrement en fait me plaire au fur et à mesure des écoutes. Mais là, après le premier coup, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de musique que j'ai vraiment, vraiment accroché, mais on a quand même eu. Voilà, je m'attendais à rien dans le sens où je pensais que Hamza, pour moi, à partir du moment où il sort un projet, je sais qu'il y aura des sons de qualité que je vais signer, et qu'il y a des sons que je vais peut-être beaucoup moins écouter ou juste pas écouter du tout. Là pour l'instant c'est le cas, mais encore une fois faut voir sur comment ça va vieillir sur le temps. Toi qu'est-ce que t'en penses sur le projet? Non, moi sur mes écoutes que j'ai habituellement, je trouve que le projet est quand même assez clean. Une introduction qui me lance bien dans le mood de l'album. Des sons qui viennent un peu casser le mood, enfin pas casser un peu ce qu'on pense être tout le mood de l'album. Ouais. Et puis une fin qui est quand même... tranquille quoi, qui nous lâche un peu comme un fleuve dans la mer. C'est ça, un fleuve dans la mer. Comme un tsunami. Non, enfin du coup non, mais... Bah non. Je suis le mec qui reprend les titres et les sons. Ouais. C'est le syndrome Booba, première écoute, c'est vrai, mais à la longue c'est un cheat code. C'est vrai, c'est ça. C'est clairement ça. Mais moins évident pour Hamza, selon moi. Selon moi, Hamza et Booba, c'est abusé. Booba, que je ressens comme Azerty, que j'ai pas forcément aimé à son écoute, à sa sortie, que je connais par cœur aujourd'hui, c'est voilà.
Alors que Hamza, c'est différent en fait. Effectivement, il y a des sons que je vais beaucoup plus aimer au fil des écoutes, et ça, c'est pareil avec tous les artistes, mais plus chez certains. Parce qu'en fait, on va plus apprécier la façon dont il le fait, la prod, ou les éléments de la prod, ou les éléments dans son texte, etc., etc. Voilà, en tout cas, moi perso, c'est un album que j'ai bien aimé dans l'ensemble. Je vais encore l'écouter pas mal de mon côté pour vraiment faire une idée plutôt préconçue et au moins à peu près un peu plus décisive, un peu plus définitive en fait au fil du temps. Donc voilà, vous dans le chat, du coup, vous en avez pensé quoi du coup du projet de manière générale? Je vois qu'on est plus que 16, il y a beaucoup de gens qui sont partis dès qu'ils ont vu qu'on a écouté le dernier son. 8 sur 10 pour Boost. Ok. Moi franchement, j'aime bien les sons 12, 13, 14, donc c'est. Un enchaînement quand même qui est il est incroyable. Ouais, c'est un enchaînement qui tue quand même. Un bon 8 aussi, ok. Only You aussi, je kiffe. Only You, il y a des bonnes. Ah oui. Ouais, Only You, incroyable. Only You. Je suis de la caisse, je remplis le sac, j'aime pas du les mêlés. Des visions de toi, Guinée, Dogista, Guinée. Batman, cœur s'accélère quand tu descends. Tu vois, il seul. Fais pas squatter, rater, tu vas prendre. Ouais. Ouais. Je dépense 200 capes. Fils dans le pan, c'est à la pâte à côté. En tes ans, finir à la scie, mes billets, je les ai mis de côté. Finir trempé. La fête les skis, ah, quoi, tu veux tes skis, ah, quoi, la fête les skis, ah, quoi, tu veux tes skis. Ma réalité à Sadio. Ouais. C'est pas franchement, bah c'est cool, mec, c'est cool que t'aies pu. D'ailleurs, Jérôme, t'as été en stream. Quoi? Hein? Non. Du coup, Jérôme, t'as été en stream au bout de la nuit, ça m'a sur place. Vas-y, remets, je pense. On va tout. Ah, si, ouais, au bout de lui, c'est pas sa place. Tu veux juste les mèches, t'as... Bah ouais, mais c'est... J'aime que... Naza, Nocif, nous sur 5. De Naza, à Nocif. Ouais, c'est clair, c'est un truc de ouf, c'est incroyable. Tu peux remettre en rapide Cody. Celui-là, oui, il vient casser un peu de... Ouais. Ouais. C'est ouf parce que là il y a un problème une prod un peu sombre et tout. Après NASA, je sais plus si c'est un peu ouais, si là après il part jusqu'à Murder, il part un peu sur des bails un peu love. Ouais, même ça, il part un peu sur de la house. Cody nous fait penser à un son sur les sous Paradise. Ah ouais. C'est ça, c'est Lee Young. Bah attends, peut-être. Mais du coup, tu vois, c'est là, il est aussi inspiré de Yeet, c'est ça que ça va. Hein? Il s'appelle. Comment l'autre? Yeet. Le rap pour Yeet, ouais. Si c'est la même inspiration, c'est sûr que là, on voit un peu moins que sur. Ouais, c'est clair. Ça, c'est son TikTok, ça. Non, ça, c'est TikTok, ouais, c'est. Ça, par contre, son TikTok il est vraiment très fort. Ah, genre, je l'ai vu 8 là.
Ça, du coup, comme qu'il a repris. Les streams, c'est hallucinant. Les streams, c'est hallucinant. Ah, les streams, c'est hallucinant. Il y a 10 000 personnes qui l'écoutent. Ah ouais. On va, enfin bref. En vrai, je sais pas si on va continuer le stream en tout cas, parce que en vrai. On va se mettre en ligne. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi le stream. Je sais pas si GG il a relancé son stream. Ah si, il a relancé le stream. On va faire un petit raid, vous savez quoi? Oh oui, un raid sur GG. Ouais, un raid sur une chaîne. On va faire sur Jérôme V. Voilà, on va lancer le raid. On va lancer le raid, les amis. Follow pour que je passe les 50 follow et que je passe affilié. N'hésitez pas à follow Val. Val. Le GG. Beau, ciao. Allez, let's go, les amis. Moi, je vous dis bonne soirée. Ciao, 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 ciao.